Yeah, I like it.
Thank you.
Come on,
I didn't hear what I said.
Thank you.
Son mon habit, car on va être en train de me faire un petit coup. Et à l'île de Tami tunggu.
Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la commune de la Touma. Nous sommes là ce soir pour vous procéder à la célébration du mariage de M. Bangoura Alassane avec la demoiselle Bangoura de Véronique Claude. Mais avant de commencer cette cérémonie, permettez-moi de vous présenter deux personnalités qui ont le courage de se secouer, c'est-à-dire le père et la marraine. Et d'autre part, vous avez un monsieur vers ma droite, qui est monsieur Alassane, qui est un collaborateur à moi, qui est un chef à moi, qui travaille au gouverneur. Nous sommes dans la même barque, dans la même boîte. Il est chargé de l'office de l'état civil au niveau du gouverneur. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Et d'autre part, mademoiselle a choisi comme marraine, c'est madame. Camarade, et le parrain qui n'est pas là, mais qui est représenté par le frère, monsieur Kanki Bangoura. Bravo, applaudissez pour le s'il vous plaît. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur Bangoura, mademoiselle Bangoura, vous allez me permettre de faire la lecture de quelques articles relatifs aux droits et aux devoirs des dépôts à République de Guinée. Si vous avez le courage, je vais devant l'officier de l'état civil, c'est de vous faire la connaissance de quelques articles liés au mariage. Vous comprenez, monsieur? Monsieur Bangoura Alassane. Il est né le... Alassane est né le 2 novembre 1986 à Conakry, profession mathématicien, nationalité guinéenne, je suis au campé de la mariée de la communication. Il est fils de Almami Bangoura et de Aïssata Sila. Quant à la demoiselle Véronique Claude Bangoura, elle est née en 1996. Hein? 90. Née en 90 à Conakry, profession étudiante, nationalité guinéenne, domicilée au quartier Lambani dans la commune de la Touma. Elle est fille de Jean-Claude Bangoura et de Elisabeth Souma. Monsieur Alassane Bangoura a pour témoin Monsieur Amara Zidor Silla, qui est absent, qui est représenté par son grand-père, qui est là, Monsieur Alassane. Et quant au témoin de la fille, c'est Monsieur Alphonse Bangoura de 1977 à Boké. Monsieur Bangoura, il n'y a pas d'erreur. C'est bon. À cette heure d'occasion, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Je fais la lecture de quelques articles relatifs aux droits et aux devoirs des époux à prévenir. Il y en a beaucoup. Mais compte tenu du temps, je vais faire la lecture de 5 articles que vous allez retenir. Le premier dit que, Monsieur Bangoura, que vous êtes choisi, les époux qui doivent également fidélité, assistance et secours. Tout part de là. S'il n'y a pas ces trois facteurs-là entre vous deux, votre mariage n'est rien, votre union n'est rien. Dès de mettre à terre la séparation. Il faudrait obligatoirement qu'il y ait la fidélité entre vous vous aimez et vous vous assistez. Vous comprenez, monsieur? Vous comprenez, mademoiselle?
Le deuxième article de la loi guinéenne dit que mademoiselle, à partir de la signature d'aujourd'hui, le mari est le chef de la famille. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et de vos enfants. C'est-à-dire mademoiselle Tamboura. Il n'y a pas Dieu commandant dans un bateau. Le bateau que vous avez fondé aujourd'hui, le seul commandant, c'est monsieur Tamboura, à la canne. C'est lui seul qui doit mener les ordres et vous obéissez, vous acceptez ses principes et ses connaissances. À partir d'aujourd'hui, c'est lui seul qui donne les ordres. Le troisième article de la loi guinéenne dit que monsieur Bamboura, que les époux contribuent à la tâche du ménage en proposant de votre participation. Mais l'obligation principale pèse sur le mari, c'est-à-dire monsieur Bamboura. Si hier, mademoiselle Bamboura, elle est sous couvert de sa marraine ou sous couvert de sa famille, son témoin, mais sachez que dans quelques instants, elle va quitter sa famille pour vous rejoindre. C'est à vous maintenant de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour sa vie, selon vos moyens et vos possibilités. Parce que c'est dit en Guinée que si un homme ne travaille pas, ne pratique aucun métier, ne fait pas le commerce, n'a pas le droit de se marier, sinon c'est la femme qui va souffrir. C'est dit dans la langue nationale, pour le roi de Kamoun et le roi. Vous comprenez, monsieur? Étant mathématicien de votre profession, est-ce que vous pouvez entretenir cette petite demoiselle? Vous pouvez l'entretenir? Mais aujourd'hui, c'est oui. Mais si demain, elle vous envoie une ordonnance, il ne faut jamais dire que madame, vous n'avez pas d'argent ou que vous n'êtes pas payé. C'est formellement interdit. Sa vie dépend de vous à partir de vous. La femme mariée a le plein pouvoir de représenter son mari et emploie ses peines quand il reste dans vos mains. C'est-à-dire. Si monsieur n'est pas présent, si vous le présentez, vous le présentez, votre famille en ce moment. Et deuxième point encore, la femme mariée contribue avec son mari pour l'entretien moral et matériel de la famille. C'est-à-dire, mademoiselle, lorsque votre mari n'a rien, si vous vous en avez, vous pouvez aider votre mari dans la vie de la confiance. Même si vous donne 100 francs comme dépense de ce qui est à l'âge, vous êtes obligé d'accepter ça. Sans le diffamer, sans le critiquer, sans le rien. C'est pas pour mal. Et le soir de la résidence appartient au mari. La femme mariée est tenue de le recevoir et elle est tenue d'habiter avec lui. Quel que soit le lieu que monsieur va choisir, même si c'est une petite chambre rentrée poussière, mademoiselle, c'est trop bien de le recevoir parce qu'elle est tenue dans le cadre du mariage. Ça, c'est les articles qui peuvent venir les hommes avec les femmes. Monsieur Bamboura, mademoiselle Bamboura, permettez-moi encore. Il y a un article sur les cas de divorce, les cas que vous allez essayer d'éviter. Il y en a beaucoup. Regardez aujourd'hui, il y a un groupe qui vous accompagne parce que c'est le mariage. Mais vous avez des cas de divorce. Pour les cas de séparation, il y a quelques éléments qui ne sont pas parce que le divorce n'est pas bon. Le mariage est bon. Il y en a beaucoup. Il y a cinq cas qui vous aident. Le premier cas, on ne sait pas d'avoir un cas de la mort. Mais dès que la mort est traitée entre vous, automatiquement c'est la séparation, c'est le divorce, parce que c'est la mort qui vous a séparé. Mais je vous souhaite longue vie, de vivre beaucoup longtemps ensemble. Le deuxième cas, c'est l'adultère, continuellement appelé dans la langue nationale, Guinée, Yéné.